Ils auront tout de même droit à leur médaille. Le 6 février prochain, Elisabeth II célébrera ses 70 ans de règne lors de son jubilé de platine. Sont attendus à cet événement tous les membres de la famille royale, notamment le prince Harry et Meghan Markle, qui résident désormais à Los Angeles. Décriés depuis plusieurs mois, comme renier des Windsor, ceux-ci vivent désormais en marge de la monarchie après avoir quitté leur fonction de membres seniors. Si le duc de Sussex est revenu au Royaume-Uni depuis pour quelques événements officiels, dont les funérailles du prince Philippe, son épouse elle, boude décidément ce pays où la presse n'a jamais été tendre avec elle. Toutefois, cela ne les empêchera pas de recevoir une médaille de la part d'Elisabeth II. En effet, à l'occasion de ses jubilés, il est de mise pour la reine de distribuer dans son entourage des distinctions frappées pour l'événement, afin de remercier plusieurs corps de métier pour leurs engagements. Parmi eux, le personnel de première ligne des services de police, d'incendie et d'urgence qui ont accompli 5 ans de service, mais aussi les membres de la famille royale qui ont œuvré pour la couronne à travers divers engagements. Une liste qui sera élargie précise le Daily Mail, et ce pour permettre à ceux qui ne sont pas membres seniors d'en bénéficier. Dans quel contexte cette médaille peut-elle être portée? Comme pour les jubilés précédents, il est probable que des membres plus larges de la famille royale reçoivent la médaille du jubilé de platine. Elles sont financées à titre privé et sont commémoratives, précise une source. Parmi eux, Meghan Markle et le prince Harry, qui ont tout de même assuré 2 ans d'engagement avant de quitter la famille royale, où ils ne souhaitent pas revenir sans l'assurance d'une protection. Mais aussi, le prince Andrew, actuellement visé par une plainte pour viol, qui se verra remettre cette distinction à arborer sur une tenue civile s'il est invité à un événement ou le code vestimentaire dit décoration. De quoi pallier le retrait récent de ces distinctions militaires, décision radicale prise par Elisabeth II alors qu'il devrait bientôt faire face à la justice. Affaire dans laquelle il devra se défendre en tant que citoyen privé.